Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, vidéo aujourd'hui, on va vous proposer un petit exercice sur le renoncement quand votre chien course des oiseaux. C'est rigolo comme ça, c'est l'instinct de chasse, mais ça peut être embêtant parfois s'il y a une route par exemple. Donc lui apprendre à renoncer, on vous propose un petit exercice avec les filles, c'est parti. Alors, comme je le disais en introduction, bien courser un oiseau ou tout autre proie, on va parler de l'oiseau aujourd'hui, c'est naturel, c'est instinctif, c'est normal. On peut s'amuser à laisser son chien courser dans des champs ou autres, tant qu'il n'intercepte pas, j'allais dire, ne chope pas l'oiseau, pas grave, parce qu'il ne va pas renforcer le comportement d'attraper, tuer, etc., et de faire tout le processus de chasse. Donc pas grave au sens où il n'y aura pas de choses dramatiques pour lui qui peuvent arriver. Maintenant, c'est quand même intéressant d'aller le travailler un petit peu pour qu'il puisse avoir l'arrêt d'urgence, ce qui fait que dans un parc comme ici, si mon chien part sur une proie, je dois être capable de pouvoir le stopper au bord d'une route, etc., etc. Donc là, ce qu'on va faire, on va vous proposer un petit exercice, c'est que vous êtes dans un parc ici avec des enclos, ça veut dire que tous les oiseaux, toutes les petites volailles et tout autre animal va être enfermé derrière une grille. Donc, au niveau de l'accès, c'est 100% garanti, mon chien n'aura jamais accès à la proie. Donc si je lance, exemple, une balle contre le grillage, mon chien va aller chercher la balle. S'il voit un oiseau de l'autre côté et qu'il lui prend l'envie de choper l'oiseau plutôt que sa balle, bah, il perd, il se mange le grillage et il n'y a que la balle qui est accessible et non pas l'oiseau. Donc vous avez compris d'ailleurs le but de l'exercice. Alors avant que ma balle soit détruite, je vais la récupérer. Merci. Et but de l'exercice, venez les filles, on y va. Je vais jouer avec ma balle. Donc un, je vais détourner. Oui les filles, excellent. Je vais détourner les chiennes en les faisant jouer à côté de volatiles, d'oiseaux, etc., etc. Donc ça désensibilise. Et puis en même temps, bah, je vais apprendre des petites choses toutes bêtes comme... Tu viens, Prada? Ah oui, tu viens. Hein. Comme lancer une balle par là-bas. Hop, regardez, ça s'envole, les oiseaux s'envolent. Alors c'est un petit peu vicieux, certains me diront. Mais ma chienne se focalise sur la balle et non pas sur l'oiseau qui s'envole à ce moment-là. Ah, Shadow, vas-y Shadow. Ouais, super. On entend les bruits, on voit les oiseaux qui s'envolent et mon chien n'aura jamais accès à l'oiseau. S'il lui prend l'envie, c'est normal au début d'être un petit peu attiré par l'oiseau qui s'envole et de lâcher sa balle, il se mange le grillage encore une fois et va revenir à sa balle. C'est la seule chose qui serait intéressante. Maintenant, on peut faire un autre exercice qui est, hop, un exercice dans l'exercice, de faire, tiens, Shadow, Prada, vous venez avec moi? On va aller à côté des petits oiseaux là-bas. On va se mettre par là. Là, Prada? Stop et assise. Prada, on avait dit assise, ok. Shadow, assise. Et ben là, je suis dans le dur. J'ai donc ma balle. Hop, on a dit assise. Et oui, et je les laisse à côté de la stimulation. Maintenant, c'est dès le point de départ, il faut choisir, et je vais travailler sur celle de droite, évidemment, vous l'avez deviné. Il faut choisir entre la stimulation qui est à côté de toi, mais dont tu n'auras pas accès, ou la balle que je te mets ici. Alors la balle, je peux la mettre en mouvement, étape 1. Et puis je peux la mettre au statique, pas bouger. Ça veut dire que même une balle statique doit être plus forte que ce petit oiseau qui est en mouvement. Non, Prada, assise. Tu anticipes beaucoup trop, Cannabis. J'ai dit assise. C'est Shadow. Excellent. Super, ma Shadow. Prada, tu peux venir. Viens, on retourne dans l'air. On reprend de l'espace, alors vous pouvez travailler, alors évidemment moi je prends cet exemple là, cet endroit, mais trouver un petit spot comme ça. Encore une fois, si vous n'avez pas ça, allez dans des endroits où les oiseaux peuvent s'envoler, où votre chien n'aura pas accès. Essayez de jongler là-dessus, c'est ce qui est très important de retenir. Le chien ne doit pas renforcer le comportement, mais gagner sur la balle. Là, elle joue entre elles, très très bien. C'est une autre forme d'exercice. Et donc ensuite, allez, un troisième petit exercice dans l'exercice et on terminera là-dessus. C'est comme je le dis à chaque fois, vous avez les grandes lignes, après vous variez, vous faites des sous-étapes. Shadow, c'est stop. On donne à papa, merci beaucoup. Ok, venez ici, stop, assise et assise. Je vais le faire avec Prada. Prada, le tour. Prada, allez, va, en avant, en avant, en avant, en avant, va en avant, demi-tour. Et je vais travailler des petits demi-tours comme ça, où on ne fonce pas sur l'oiseau, on fait demi-tour. J'ai encore la balle ici dans la main, où j'envoie la balle, par exemple. Prada, va chercher. Ok, Prada, demi-tour. Et je travaille mes demi-tours avec la balle, ce qui fait qu'au début, je faisais juste du jeu pour le jeu. Et maintenant, je renvoie en plus de l'obéissance, ce qui fait que quand tu fonces vers une clôture avec des oiseaux, je t'apprends à faire des demi-tours. Donc, là, j'ai ma balle, mais quand je n'ai plus ma balle, Prada, fais le tour. Allez, en avant. Alors Prada, elle est habituée, elle ne va plus sur les oiseaux, mais imaginez que le chien parte sur l'oiseau, demi-tour, boum,
ma balle est dans mon dos, mais j'ai réussi à avoir mon demi-tour. Et vous augmentez votre difficulté comme ça. Et bien sûr, et ça vous le savez, je vous fais référence à plein d'autres... Tiens, ça va être pour Prada, je te l'ai promis à toi, être cohérent. Vous avez plein d'autres vidéos sur la chaîne qui complètent à chaque fois hein, tous les principes à mettre en place. Mais pensez que si vous faites ça à l'entraînement, vous ne pouvez pas dire si votre chien course un oiseau, « Non, stop, arrête-toi, imbécile de chien !» Vous ne pouvez pas partir là-dessus. Vous allez juste utiliser ce que vous avez fait à l'entraînement. Donc si... Venez les filles, on avance. Je ne dis rien. Allez, on avance. On se promène. Je dis le mot magique. On se promène. C'est stop. Promenade. Regardez Shadow. Elle est revenue un peu plus naturellement. Eh bah tiens, elle me prend un petit bout de pain. Shadow, demi-tour. Allez, demi-tour. Allez, je mets de ma balle pour celle-ci. J'aurais pu m'aider ou pas de la balle. J'ai choisi de m'aider de la balle. Vous avez vu? Elle va prendre un bout de pain. Bah, plutôt que de lui dire « Non, pas toucher, imbécile de chien !» comme je le disais en plaisantant, je dis mon demi-tour. Pourquoi? Parce que c'est ce que je travaille à l'entraînement. Soyez cohérents. Travailler à l'entraînement, c'est bien sûr pour répéter dans la vie réelle. Si vous travaillez quelque chose, vous, à chaque fois je prends ces exemples humains, vous vous entraînez au basket toute votre vie pour faire des matchs de foot le dimanche en compétition, ça n'a aucun sens. Donc entraînez-vous d'une façon, répétez dans le quotidien de la même façon. Et voilà donc pour cette petite vidéo exercice à mettre en pratique alors dans les environnements que vous pouvez reproduire hein, évidemment. Si vous êtes à La Rochelle, faites-le ici. Si vous êtes ailleurs, faites-le ailleurs. Le but est de recréer ce genre d'environnement. Et puis surtout, je ne l'ai pas dit, mais pensez aussi à vos outils si vous voulez faciliter. Moi, j'ai une balle, pensez à la longe. Comme ça, le chien est forcément en échec, vous pouvez le ramener. Donc j'espère que ce petit exercice vous a plu. Il n'y a plus qu'à mettre en application. Regardez ce qui se passe là-bas pour notre conclusion. Shadow, demi-tour. Excellent! Tu me l'as bien réussi en plus, comme ça je passe pas pour un idiot. Oh, super ma Shadow, alors là, bravo. Excellent, excellent, t'auras pas de coup de fouet. Hein. Ah oui, excellent. Et donc j'espère encore une fois que ça vous a plu. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meiko Malinois avec Prada et Shadow. Ciao! Prada, on aboie? Ok, Shadow, on aboie?